Il a hésité jusqu'à la dernière minute avant d'aller au concert. Il a failli faire demi-tour dans la file d'attente en entendant les sirènes des voitures de police autour de l'Olympia. Julien Pierce a voulu revoir Eagles of Death Metal avec les mêmes amis avec qui il avait acheté ses places le 13 novembre dernier au Bataclan. Ils étaient quatre, trois garçons et une fille. Ils sont tous vivants, mais remplis de cicatrices intérieures que le concert de mardi a réveillées, mais aussi cautérisées. Trois mois après l'horreur, Julien a réussi à danser. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête dès les premières minutes ? Ça hérisse les poils, au début, parce que on a l'impression que nos yeux nous transportent trois mois en arrière. Surtout que l'Olympia est une salle qui ressemble un petit peu au Bataclan, quand on est à l'intérieur. Et c'était d'autant plus vrai que tous les spectateurs qui étaient là le 13 novembre instinctivement sont mis exactement au même endroit que là où ils étaient il y a trois mois. Dans la fosse. Dans la fosse. Nous, on était à droite et on ne s'est même pas posé la question. C'est-à-dire qu'on est rentré dans l'Olympia et on est directement allé à droite de la scène. Je pense que tout le monde avait besoin de se remettre là où il était. Au fond de moi, j'espérais voir toutes les personnes qui étaient autour de moi il y a trois mois, de les recroiser, de pouvoir les regarder dans les yeux et les sentir aussi vivants que moi. Il y avait un vide. Il y avait un vide incommensurable. Au balcon, il y avait les parents des victimes, certains parents qui ont voulu être là pour être en communion avec leur enfant disparu. C'était... Je sais pas si j'aurais eu cette force. Je suis pas parent, pas encore. Mais une sacrée force morale pour pouvoir être là trois mois après la perte de son enfant, c'est fort. Vous étiez aux Invalides, vous étiez donc à l'Olympia. Vous savez pourquoi vous avez besoin de tout ça ? On a besoin de leur dire au revoir. On a besoin de les sentir avec nous d'une certaine manière. On est comme des frères de sang. Moi, j'ai pas versé une seule goutte de sang ce soir-là. Mais j'en avais le corps recouvert du leur. Donc, on se sent redevable. On se sent chanceux grâce à eux. Parce que ces balles, elles devaient bien terminer quelque part. Vous êtes un rescapé, vos copains ont été rescapés, votre ami a été rescapé. Vous étiez quatre ce soir-là. Vous vivez ça comment ? Comme une grande chance du destin ? On a le cul bordé de nouilles, oui. Oui, oui. Je crois pas au destin. Je crois pas à une bonne étoile qui était au-dessus de nous. Je pense qu'on a eu énormément de chance, tout simplement. Vous aviez l'impression de reprendre le concert là où c'était arrêté ? Non. Il n'y avait rien à reprendre. Le premier concert, il s'est arrêté dans les circonstances que l'on connaît. Et il ne méritait pas d'être repris. Le groupe n'a pas osé jouer le morceau qui a été joué au moment où les terroristes sont entrés dans le Bataclan. Ils ont bien fait ? J'ai entendu beaucoup de personnes, et j'ai dit exactement la même chose, qu'ils leur ont demandé de ne pas jouer cette chanson, Kiss the Devil, qui porte tristement son nom. Et Embrasse le diable. Embrasse le diable. Mais ils nous ont tout de suite rassurés, ils nous ont dit non, non, mais il n'en a jamais été question. Cette chanson, elle est bannie, désormais. Vous ayez peur que ce concert réveille les plaies ? Oui. Il en a réveillé. Oui. Forcément. Mais il en a aussi cautérisé plus qu'il n'en a réveillé. Il a réveillé la culpabilité d'être survivant ? Évidemment. On ne peut pas faire l'économie de se demander pourquoi nous, on a la chance d'être là et pas les personnes que l'on cherche. Est-ce qu'il y avait mardi soir l'idée presque d'une thérapie collective ? Le fait de vous retrouver tous ensemble. Oui, c'était l'idée, oui. Très clairement. Ça a marché ? Oui, ça a marché, oui. Ça a marché parce que tout le monde était demandeur. Dans l'échange que j'ai pu avoir avec les artistes juste avant le concert, ce qui était frappant, c'est que tout le monde leur disait merci. Merci d'être venu. Et leur réponse immédiate, c'était non, non, mais... c'est pas nous, nous.
Vous n'avez pas à nous remercier, c'est nous qui vous remercions d'être venus. Vous avez dansé? Oui, oui. On a tous dansé, oui. Beaucoup. Ceux qui pouvaient, ceux qui n'avaient pas de canne, qui n'étaient pas assis, oui. Vous avez parlé entre vous? Oui, oui, avec mes amis, avec personnes qu'on a reconnues. Et vous disiez quoi? On se prenait dans les bras. C'était la seule chose à faire. Il n'y avait rien à dire. Le 17 novembre, vous avez publié un tweet. Merci de m'aider à retrouver la jeune femme blessée que j'ai portée dans mes bras en sortant du Bataclan. Est-ce que vous l'avez retrouvée? Non. Non. Est-ce que vous l'avez cherchée mardi soir? Ouais, à chaque instant, oui. Mais je ne l'ai pas retrouvée. Vous pensez qu'elle fait partie des victimes? Je le pense maintenant, oui. Je le pense. Beaucoup de gens l'ont cherché pour moi. Moi, j'avais pas cette force-là à ce moment-là. Mais ça m'a permis de retrouver une personne que j'ai aidée, dont je n'avais absolument plus le souvenir, une fois sorti. Vous l'avez aidée dans la rue? Non, dans la fosse, à monter sur scène, une fois que j'y étais. Et j'ai reçu un jour un message de cette fille qui me disait « Je ne suis pas la fille que tu cherches, je suis l'autre ». Quand j'ai lu ces lignes-là, c'est comme si un bouchon de champagne avait sauté dans mon cerveau et tout est revenu. Et effectivement, oui, j'ai retrouvé cette jeune fille et je suis ravi de savoir qu'elle est aujourd'hui en vie. Ouais. Vous étiez dans la fosse. Vous n'avez pas été blessé, mais vous avez vu et entendu. J'ai senti aussi. Il y avait tout. Il y avait... tous les sens étaient mis à contribution. 3 mois plus tard, qu'est-ce qui reste? Il reste les bruits, surtout. Le traumatisme des sons qui claquent. Un pot d'échappement qui claque dans la rue suffit à nous mettre à plat ventre. Un hurlement au loin, même d'un enfant, nous saisit d'effroi. Un pétard qui claque, c'est l'odeur de la poudre qui revient. Oui. L'autre jour, je me suis coupé le bout du doigt. C'était le sang et le goût du sang dans ma bouche pour... voilà. Certains ne dorment pas, certains ne peuvent pas sortir dans la rue, certains ne peuvent pas aller dans un lieu fermé. Il vous reste quelle séquelle, vous, 3 mois plus tard? Il me reste le sommeil. J'arrive pas à dormir allongé. Puisque j'ai été allongé pendant... de longues minutes sous le corps d'un malheureux qui m'était tombé dessus. Et dans les jours qu'on suivit, j'arrivais à dormir allongé. Puis un jour, je me suis réveillé en panique et j'ai assimilé la couette au corps de cette personne qui est décédée. Et depuis, il m'est très compliqué de dormir allongé, donc je dors assis. Comme si j'étais assis sur une chaise, comme vous me voyez là présentement. Vous rencontrez des psychiatres comme des milliers de personnes. Les psychiatres sont débordés, paraît-il. Oui, ils nous le disent, oui. Oui. Ça se voit, déjà. Ils sont plus cernés que nous. Il y a qui dans la salle d'attente? Des gens qui étaient au Bataclan, comme moi. Il y a des gens qui étaient sur les terrasses. Il y a des parents de victimes. Il y a des amis de victimes, des petits copains de victimes, des petites amies. Il y a des secouristes. Je parlais une fois avec un brancardier qui était à l'extérieur du Bataclan et qui a vidé la salle sur son brancard dans la nuit. Les secouristes disent très souvent qu'ils ne se remettent pas d'avoir entendu les sonneries des téléphones qui appelaient dans le vide. Entre les coups de feu, on entendait les sonneries, oui. Je peux imaginer l'enfer que ça devait être, de voir afficher maman, papa, frérot sur les portables et ne pas oser répondre, et ça devait être horrible. Il y a eu une solidarité dans le pays, on l'a senti, on l'a entendu. Énorme. Il y a eu des Marseillaises, il y a eu des drapeaux sur les balcons. Oui. Marseillaise me met les larmes aux yeux à chaque fois que je l'entends, désormais. Pas avant? Elle pouvait. J'avais 10 ans la seule fois où ça s'est produit, c'était... finale de la Coupe du Monde. Et la deuxième fois, c'était aux Invalides. Cette Marseillaise, version longue a cappella. Je pense qu'elle nous a tous...
Elle nous a tous glacés et réchauffés en même temps. Un sentiment très ambivalent, mais... Elle nous a rendus fiers d'être français. Et le rock'n'roll de mardi soir? Pareil. Pareil. Le chanteur a arboré une nouvelle guitare qui était bleu, blanc, rouge. Les spectateurs lui ont envoyé une écharpe qui était bleu, blanc, rouge. Il les a arborés et... Ils avaient des t-shirts bleu, blanc, rouge. Ils étaient avec nous, ils étaient français. Ce soir, c'était cette leçon-là. C'était un condensé de ce que peut être la France. Une chanlie, parfois. Mais une chanlie artistique et belle à regarder. On a besoin d'être fiers de notre pays. De ce que l'on est. Et de ce que l'on ne va surtout pas devenir.